Salut les viewers et les vieweuses, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, cette nouvelle vidéo sur The Outer Worlds. On continue un petit peu, on avait fouillé la zone. Finalement, bon, très peu d'entre vous ont voté malheureusement, alors essayez de voter un peu plus pour que je puisse avoir une idée réelle de la chose. Mais on va partir sur une durée de 30-35 minutes, hein. J'avais parlé de 20-25, 30-35, 40-45, pour rendre quand même l'épisode suffisamment long. Tiens, c'est ouvert, tout ça, ça a l'air assez... C'est marrant, regardez, ça a l'air assez, on va dire, propre ici, et d'un seul coup, ici, c'est... étonnant. Si le monsieur est en bas, j'irai bien voir un peu plus haut. Alors, attention à ce qu'il n'y ait pas de... d'objets... à la con à récupérer, mais aussi... Pain, ils écrivent ça avec un E? Pseudo-pomme. Pas rassurant. Carte de toss ball. Filet de sauton. Ah bah voilà. Après, je sais pas si j'ai envie de bouffer du saumon mélangé avec du thon, du sauton, là. Nice loulou. Conserverie de sauton. Ouvrir les dernières recherches. Première note. Indumati a quitté Edgewater aujourd'hui. Elle a été réaffectée sur Terra 1 en lui donnant le dernier baiser que sur le quai. Je lui ai demandé si j'allais la revoir. On savait tous les deux ce que ça ne serait pas le cas. Regardez vers le ciel en pensant. Regarde vers le ciel en pensant à moi. Je regarde vers le ciel en pensant à toi. Oh, Robert ne m'a pas laissé la garder. Mais je sais que tu l'élèveras avec amour. Peut-être davantage que je n'aurais pu le faire. Et d'une patience et d'une présence qui me font défaut. L'entreprise dit qu'elle n'aura pas de nom tant que tu ne lui en auras pas donné un. Elle en a déjà un, Parvati. La date de naissance sera fixée à la date où elle te sera remise légalement. En fait, elle est née le 7 juillet. Fais en sorte qu'elle se sente exceptionnelle puisque je ne pourrai pas. Comme vous pouvez voir, je suis à moitié malade. L'ingénierie mécanique de Space Force pour les nuls. D'accord. Recherche en cours, un résultat. Ouvrez la dernière note. J'ai veillé hier soir en parcourant l'ingénierie mécanique. J'ai bien failli le lire à haute voix. L'habitude, ça fait 10 ans, mais j'ai encore certains passages en tête. Je crois que je vais reporter le volume suivant à la conserverie. Il y a un bureau désaffecté où j'ai pris l'habitude de déjeuner, autant que je le relise en entier. D'accord. Intriguant, intriguant, intriguant. Test d'armure. Nuka Cola. Clé de contournement. J'essaie de garder les oreilles un petit peu alertes pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive, mais... Ok. Moi je prends, hein. Tout ce que tu me donnes, je prends. Ah. Il va y avoir grand chose à récupérer là-dedans, normalement. Peut-être dans la boîte de non. De médicaments, mais... Ok. Le FOV a l'air d'être un peu fort, hein. Les pièces sont l'air... Personne ne m'a vu, personne ne m'a entendu. Très bien. Alors. Ça doit être la sortie. Allons voir le monsieur qui est ici. À 30 mètres. Ou alors il n'y a personne. D'accord, il n'y a personne. Oui, 30 mètres, ça me faisait beaucoup d'un seul coup. Ok. Moi, je dis pas non, encore une fois. Hein. Merci beaucoup. Ok. Oh bah. Bonjour, monsieur. Heard Marauder's gone in. Just between us, Wilson deserted. Lost his nerve. Ran off in the thick of night. Ah, c'était la sortie. Ludwig. Ludwig Miller. Martin Bernatti, c'est le mec qui était malade, ça. J'avais pas encore récupéré son truc exprès parce que je me disais qu'il allait peut-être y avoir une espèce d'histoire à la con. Saltuna. Ouh. Rapport. Objet trouvé. Une main gauche coupée au niveau du poignet, léger dégâts osseux. Avis à tous, celui de la deuxième amputation involontaire d'une main en quelques mois, veuillez faire preuve de vigilance et de suivre les règles de sécurité en proximité des machines. Oups. J'espère qu'il n'aura pas perdu la main dans la découpe du poisson. Oh, bonjour.
qu'on ne me voit pas. C'est pas ce que je voulais faire, pardon. Excusez-moi, entre Call of Duty qui utilise la touche F pour falloir jouer avec tout ça de toute façon. Bon, je sais pas si. Je sais pas sous quelle mesure les gens me voient. Donc Vous avez perdu vos lèvres? Ou les lèvres. Non, ou les lèvres sèches peut-être. Le problème c'est que loose, ça veut dire. Ah, barricadé. Barricadé? Et une autre porte, il a dit. Ah ah! C'est. Les chiottes? Ça tombe bien! Non, je peux pas m'asseoir. Ah, ça c'est ce qui c'est ce qui permet de tester si c'est un bon jeu ou pas. Hein. Que tu peux aller poser une pêche ou pas dans le. Dans les chiottes. Wouh! Fly me to the moon and let me stay up. Pourquoi ça ressemble à un donjon d'un coup? En vrai? Bon, cela dit, il n'y a pas de machine. Enfin, de machine. De mob. Allons-y tranquillement. Oh! Récupérer le régulateur électrique. C'est pas ça que je cherchais à la base. Bon bah. La question c'est comment ça va. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais. Complexe géothermique. La région de la vallée de l'Emeraude est alimentée par le complexe géothermique Spacer Choice. Spacer Choice fait fort de fournir aux colons d'Alcyon une technologie modérément innovante à un prix raisonnable. Exécution impossible de ne pas délibérer que pendant que le transformateur est actif. Recherche, arrêt du transformateur, échec, protocole d'arrêt du transformateur interpersonnel. Protocole d'arrêt. Conformément aux politiques d'ingénierie et de conception de Spacer Choice, les protocoles d'arrêt ont été désactivés sur tous les transformateurs. Cette opération permet de prévenir la dégradation, l'amélioration illégale ou le vol de la technologie. Attention, ne pas essayer de modifier ou de dégrader le transformateur électrique Spacer Choice pendant quand le courant circule. Telles actions peuvent entraîner la mort, le terrible blessure, la terrible et des dégâts irrémédiables au transformateur. D'accord. Bon. La voilà qui n'est pas bon signe. Oh, le petit coup de guitare était cool. Vous croyez qu'eux, ils ont essayé de récupérer le truc, sans doute, hein. Bon, je vais y revenir plus tard, c'était pas pour ça que j'étais venu à la base. Et au moins, on sait où est-ce qu'il est, maintenant. Si je pouvais contourner cet endroit. Madame. Il y a un mec qui se balade là. Qui... Personne ne le connaît, mais. Est-ce que je peux pickpocketer? Non, je peux pas pickpocketer, tiens. Je pique et je pocket et je pique et je pocket. Allez, bonjour. Ok. Pourquoi j'ai plus envie d'en manger d'un coup? Miam miam. Bark. Ah bah ça c'est mon office, ça c'est mon bureau. Nice ouro. Ouh. Message. Bienvenue Phyllis Granger de Robert Thompson. J'imagine. Phyllis, en raison de votre bon travail et de votre attitude positive, j'ai validé votre accès à un traitement médical en cas de contagion. Comme vous le savez, l'entreprise ne nous a pas fourni assez de médicaments pour soigner tous les employés. J'aimerais pouvoir traiter tous les membres de la famille Spacer Choice qui contractent cette peste, mais c'est impossible. Les privilèges médicaux dépendent strictement du mérite de chacun. Veuillez vous abstenir de quelque soit les circonstances de céder votre ration de médicaments à un autre employé. Hein?
Je pourrais donc avoir une alternative. Oh, piratage 5. Mot de passe requis. Mot de passe validé, pied tendre. Théodore enterré hier soir. Reed m'a demandé de ne pas noter sa mort dans notre rapport trimestriel, ça me paraît juste. On m'a demandé de préparer une déclaration ou autre pour les ouvriers, j'y réfléchis. Ne sais pas quoi leur dire. Ne finissez pas comme Théodore. Faites votre travail, faites-le bien, souriez, et vous obtiendrez des privilèges médicaux. C'est un début, je crois. Ok, d'accord, je vois le genre. Ouh! Question, si je me fais arrêter pour un oui ou pour un non, ils vont récupérer comme dans... Ils vont regarder mon inventaire? Ils vont me fouiller? Ouh. Parce que ça donne peut-être un point de compétence? Non, ça va direct au rebut. Inspecter. Ah, oh, c'est dommage! En même temps, vu ma tenue, je peux comprendre qu'il soit pas... Voilà, je suis un ami. Je viens en prout. Eh bien, fusil à plasma là-dedans. Question, si j'équipe le fusil à plasma, est-ce qu'il... Quand je fais un acte... Non ? Pourquoi j'avais tous les ennemis qui étaient affichés en rouge ? J'ai eu peur que ce soit parce que je portais l'armure. Ok ? C'est rigolo ça. Pourquoi vous avez mis un truc aussi haut ? Pour qu'on aille le chercher ? Wouh! Ça ressemble plus à un truc de réceptionniste, cela dit. Ouh. Rapport. Ok. Ok, c'est que du... Par contre, moi j'aimerais bien retrouver la porte qui est de l'autre côté de ce mur, finalement. Apparemment, de l'autre côté par là, il y a encore un truc. Passant par derrière. Réflexionnons. Ah ouais, c'est compliqué de passer par derrière là. Donc c'est en passant par l'extérieur. Je pense bien qu'il fallait que j'aille à l'extérieur. Journal. Ça c'est d'accord. Le stock secret de médicaments. Allons-y. Ça se trouve, il va être mort le temps qu'on arrive. Vous pouvez démanteler les armes et les armures dont vous n'avez pas besoin. Donc, si on considère que... Ça devrait être dans le coin, normalement. Aha ! Personne, Gaston. Ok. Fly me to the moon. And let me stay upon the stars. La nomenclature des planètes de la colonie d'Alcyon. Hop, j'ai pas le temps de le dire. Oh. Silencieux du murmure. C'est quoi ça? Modif d'arme à distance, canon. H.
Sac à dos. Ouh. Et tout? C'était déjà pas mal, tu me diras, mais... Eh ben ça va aller le coup! Bon, maintenant on va s'occuper de notre bonhomme là, parce que le pauvre bonhomme il est en train de crever de la peste. Donc en fait, on va le soigner et ensuite, ce qu'on va faire c'est qu'on va lui voler tout son argent. Ça fallait que je vous bute. Ah putain, c'est mon arme qui fait ce truc là. Pourquoi ça les a effrayés? Vu l'XP que ça rapporte, je dis pas non moi. Hein. Après je devrais peut-être hein. Bon, il m'avait dit qu'il y avait des maraudeurs dans le coin. Est-ce que je mettrais pas une armure de maraudeur? Peut-être. Peut-être que ça marcherait. Merde. Brut des maraudeurs. Bien mon petit pistolet. Peut-être essayer autre chose. Ok, ça prend cher en munitions, mais c'est puissant. Avec lui là-bas, il m'a vu. Oh! Ah bah voilà, je préfère. Fusil d'assaut, tiens non. Du coup, vous vous attaquez entre vous. Casque basse pression chargé. D'accord. Parce que maintenant que j'ai un casque, ils me reconnaissent pas. Pourou, 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 pourou. Oh, il m'a reconnu. Il est solide. Ils sont solides. D'accord, je croyais que j'avais le fusil d'assaut. Enfin, oui, c'est ce que j'avais. Waouh. Ça touche pas. Merde. Wow, la vache. Ah, vaut mieux être discret, hein. Merci pour le pistolet. Il va falloir que je trouve un gros pistolet, vous savez qu'il fasse casque alimenté revisé. Qu'il fasse vraiment le gros blaster de Han Solo par contre. Peut-être que lui il en avait un. Ah, je peux pas glisser non plus, putain c'est rigide comme fusil de chasse. Ouh. Encombrement. Ah bon, on savait que ça allait arriver tôt ou tard. Hein. De toute façon on a des points à mettre. De préférence. On n'a pas assez de points de dégâts. Voilà. X, E pour appliquer. Coup ciblé en DTT. Oui, je sais. Je les avais déjà, non? Ouais, je les avais déjà. Maintenant, j'en ai un peu plus. Avec toutes les armes. Avantage, j'en ai récupéré un? Non. Réputation. Neutralité. Ah bah ça va. Je m'attendais à ce que ce soit pire.
Ah, je suis toujours encombré par contre. Bon, maintenant, on va faire un petit peu plus gaffe parce que le combat a été plus âpre que prévu. Oula. Ok. Poids 5, donc déjà ça va être radical. Je suis à nouveau en surpoids. Bon, nous y revoilà. Je regarde juste si les portes sont... Après, je suis dans un pays où les mecs mettent des lance-grenades dans les poubelles. Qu'est-ce que ça veut dire en bas? Mon armure est endommagée? Mon armure est endommagée. D'accord. Apparemment, il n'y a personne dans le coin. Oh! Il m'a lâché la cartouche? Un pas? Ouh! Nice, Toulou! Ça, ça prend de la place, Marcus. Pourquoi tu fais chier à faire ça? Ce serait bien que je puisse m'afficher dans le jeu la place. J'aurais peut-être dû mettre des points en force, du coup, pour... Pas lié à tout. Oh! On veut une maquette, moi. Ouh! Oh! Je suis à nouveau en surcharge. Oh là là! What the? Reste une pièce? Ouh! Nice, Oulou! Ok, ça fait très prison, mais à part ça, tout va bien. Que quelqu'un a été enfermé là-dedans. Ouh, attendez. Que quelqu'un est toujours enfermé là-dedans. Et... merde. Un coup de peps. Voilà, je suis encore surchargé. C'est génial. J'aurais dû mettre plus de points dans force. Bon, officiellement, je ne peux plus rien prendre sans être encombré. Faut que j'arrête mes conneries. Des gens. Je croyais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui marchait. Peut-être qu'il est à l'intérieur du bâtiment. Je le vois à travers le mur. Ils sont au moins deux, au moins trois. Donc là, je suis caché. En vrai, j'ai eu peur de m'être suicidé quand il y a eu l'animation. Heureusement, les munitions ne prennent pas d'espace. Il y a un truc qui s'est allumé quand je me suis... Ça, ça prend de l'espace. C'est des explosifs, j'aurais dû faire plus attention, j'aurais pu économiser une balle. Dommage, il manque juste le caillou, vous savez. On va rejeter un caillou pour attirer des gens. Ça s'ouvre ici? Ah non, evicted. Dommage. Evicted. Evicted. Pas de chance. Maintenant, nous savons qu'il y a des gens autour. Non, on sait qu'il n'y a plus personne autour. J'adore cette arme. Hmm.
Je l'ai vaporisé comme dans... Excellent. Ah, c'est ici. Très bien. Très... chose là-bas, non? Alors, il y a un grand monsieur avec une arme laser ou un truc dans le genre. Mais ce n'est pas le cas. Eh bien, écoutez, maintenant qu'on est arrivé là, chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. Il n'y a pas eu tant d'action que ça. On verra bien si, si ça progresse ou pas. Mais dites-moi si le format 30-35 minutes vous plaît plus. Normalement, il y aura quelques coupures au montage. Et tiens. Ok, il faut que je pense à enlever cette option-là, la con, qui permet de faire le point, parce que du coup, ça fait le point avec le fond vert. Et je vous retrouve demain pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop !